et bienvenue sur canalgourmandise.fr. Aujourd'hui, une petite recette raffinée pour un petit repas de fête. Nous allons faire des petites côtelettes d'agneau à la sauce cassis. Alors, pour deux personnes, il va vous falloir quatre petites côtelettes d'agneau de France. Il est bien meilleur. Vous allez avoir besoin de deux belles cuillères à soupe de gelée de cassis, quelques pluches de coriandre, un petit peu de persil haché. Il vous faudra un demi-verre de vin blanc, quelques petites baies de groseille, c'est facultatif, mais on en mettra dans notre sauce et puis pour le décor, vous verrez, ce sera très joli. Un peu d'huile d'olive, du poivre du moulin, une petite branche de thym, de la fleur de sel, une échalote, une belle noix de beurre, et puis nous prendrons un léger jus de citron tout à l'heure pour déglacer notre sauce. Nous allons commencer cette recette en faisant la sauce au cassis. Alors, j'ai émincé ma petite échalote. Dans ma casserole, j'ai mis ma noix de beurre. Je fais légèrement revenir mes petites échalotes et je vais venir tout de suite déglacer comme ceci avec mon vin blanc. Je vais ajouter également le persil émincé, comme ceci. Je vais ajouter une petite pincée de fleurs de sel, un tour de poivre du moulin, comme ceci. Un petit coup de fouet et nous allons laisser tout doucement cuire et s'évaporer le vin blanc, comme ceci. Et nous allons aussitôt ajouter à cette préparation notre gelée de cassis. Voilà, qui est très très belle, ça va parfumer notre sauce. Voilà, c'est parfait. Et nous allons donc laisser, en mélangeant bien tout ceci, laisser cuire et bien laisser diminuer cette petite sauce au cassis. Laquelle sauce, 5 bonnes minutes après, vous le voyez, a bien diminué. Elle est vraiment devenue très très belle. Notre sauce est quasiment prête. On va juste au dernier moment ajouter, alors si vous en avez, quelques petites baies de groseille. Nous allons mettre un petit peu de thym comme ceci, voilà, juste pour que le thym s'infuse un petit peu à la sauce. Vous fermez le feu sous votre casserole, votre sauce est terminée. Nous allons passer maintenant à la cuisson des petites côtelettes d'agneau. J'ai mis dans ma poêle bien chaude, vous le voyez, mon huile d'olive et une petite noix de beurre. Et nous allons venir donc délicatement comme ceci poser nos petites côtelettes avec un feu moyen sous votre poêle. Voilà, c'est parfait. Nous allons bien sûr donner un petit tour de poivre du moulin sur nos côtelettes. Le petit côté peps de notre recette. Un petit peu de fleur de sel également sur chaque côtelette. Alors on va saler, on va poivrer seulement sur une seule face. Et nous allons donc surveiller. Je vous conseille de faire cuire vos petites côtelettes d'agneau si vous les aimez, par exemple rosé, c'est un peu comme ça que se mange l'agneau, hein, de préférence. Et bien nous allons les laisser cuire et dorer à peu près 2 minutes par face. Voilà, là c'est parfait, je vais enlever ma poêle, on va faire réchauffer notre petite sauce et ensuite on va dresser notre assiette, une très jolie assiette. À présent, vous allez peut-être pouvoir passer à table si vous souhaitez. On va juste terminer après avoir nappé nos petites côtelettes de notre sauce au cassis par un léger jus de citron comme ceci sur la sauce, ce qui va apporter un tout petit peu d'acidité, ce qui sera très très bon. Et puis on va finir avec, comme la petite cerise sur le gâteau si on veut, avec cette petite branche de romarin qui va apporter un petit peu de douceur dans notre assiette. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de vous régaler avec ces petites côtelettes d'agneau sauce cassis, de vous retrouver pour toutes nos autres recettes sur canalgourmandise.fr. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, Canal Gourmandise TV. Au revoir, à bientôt.